Vous le savez, tout l'été, on sélectionne pour vous des festivals grands ou petits. L'endroit où l'on part maintenant, vous l'avez déjà vu au cinéma, dans un film très célèbre avec Louis de Funès. Cet endroit, ce sont les cabanes de Fleury, dans l'Aude, où on va retrouver Jean-Michel Escaf. Bonsoir Jean-Michel, dites-nous pourquoi ces cabanes sont si célèbres ? Ces cabanes, bah, elles sont célèbres parce qu'elles se trouvent sur l'embouchure de l'Aude. C'est un port du bout du monde, 100 habitants l'hiver, 5000 l'été. Avec nous, c'est Guizier qui est maire de Fleury d'Aude et donc des cabanes de Fleury. Et il y a un festival dont c'est la seconde soirée ce soir. Vous avez choisi le jazz. Est-ce que c'est parce que ça va bien avec le lieu ? Voilà, nous multiplions les animations musicales au cours de l'été, mais nous avons pensé que le festival de jazz serait en harmonie avec le site des cabanes de Fleury, où l'on a su conserver, à l'abri de l'urbanisation galopante des années 60, un lieu authentique où l'on peut manger des sardines avec les doigts, du maquereau, des fruits de mer, des moules, du taureau à la broche, où on se retrouve entre copains. Et c'est pour aller dans le sens de cette ambiance entre amis qu'on met le jazz. C'est un lieu relativement rare, ça. Comment vous arrivez à contenir l'endroit pour qu'il n'y ait pas un tourisme de masse, justement ? Voilà, on a décidé de ne pas étendre le hameau des cabanes sur sa périphérie pour lui conserver précisément son authenticité. Voilà. Alors ça fait que, comme nous avons à quelques pas d'ici la manade de Margé, beaucoup de gens viennent découvrir le taureau, et en particulier les musiciens de jazz, inspirés par ça, viennent faire le buzz, eux, avec les copains. Alors, avant de les écouter, juste quelques mots sur Jean Santandrea, sextette qui est juste derrière nous. Jean Santandrea, le chef d'orchestre à la contrebasse, est un enfant du pays. Il a commencé par accompagner ici le chanteur occitan La Sauze avant de monter cet orchestre de grande renommée autour du jazz et en particulier du jazz New Orleans qui plaît à beaucoup, beaucoup de gens. Merci beaucoup, Guissier. On va se pousser un petit peu, on va laisser la place à Jean Santandrea Sextet. Merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà pour ces quelques notes en direct de Fleury d'Aude.